Bonjour, je m'appelle Donden Fabien, je suis le chef ici au mât de Chastelas pour la deuxième saison et on va vous présenter mon univers et la cuisine qu'on propose ici au mât de Chastelas. Alors mon inspiration vient de ce que je vais voir en me promenant dans la région, en ouvrant de vieux livres de cuisine traditionnelle provençale, en voyant et en manipulant les produits que les fournisseurs vont me présenter et me proposer au cours des différentes saisons. Et voilà, tout ça va être mis en œuvre par les différentes expériences que j'ai eues avec de grands chefs, en reprenant des techniques ou des accords que je vais repenser, que je vais revoir. Et puis nos plats vont être ne sont jamais terminés, ils évoluent au fil des jours, au fil des semaines. Un jour, on va manger un poulpe d'une certaine manière. Quelques jours après, c'est un plat qui va pouvoir évoluer avec des choses qui vont être ajoutées, d'autres enlevées, des assaisonnements corrigés, rectifiés. En discutant avec mes équipes, avec mon second Louis Bost ou avec Mila et Jordi qui sont des collaborateurs qui me suivent depuis déjà l'année dernière. Et donc voilà, c'est un vrai travail d'équipe. On discute, on réfléchit, on essaye, on se trompe, on recommence, pour arriver à quelque chose qui nous plaît. Le but est de se faire plaisir en cuisine, pour faire plaisir aux gens. Et voilà, si les gens sont contents, notre mission est remplie. Parce que, alors moi, je suis originaire de région parisienne, mais j'ai fait une partie de ma formation et de mon apprentissage en Provence, entre autres dans le Luberon, avec un chef comme Xavier Mathieu, chez qui j'ai travaillé pendant 2 ans, avec Michael Brignoli, qui était aussi pour moi un grand professeur et un vrai guide pour me mener vers cette carrière et cette passion pour la cuisine, qui est aussi très axée sur la cuisine provençale. Donc voilà, j'ai appris avec ces gens-là et de cette manière-là. On a créé des liens, entre guillemets, avec quelques fournisseurs ici depuis la saison dernière, avec qui on retravaille cette année, et en qui je fais confiance et qui me propose de super produits, que ce soit pour le poisson, pour les légumes ou pour la viande. Alors on a un vrai travail d'équipe également aussi avec les fournisseurs. Tout à fait. Non, ça faisait déjà presque 2 ans que le Covid était passé entre guillemets. Donc non, j'ai pas ressenti spécialement d'impact du Covid, en tout cas ici.